La campagne de sensibilisation contre l'usage détourné de médicaments et de consommation de drogue comporte plusieurs objectifs. Nos objectifs sont clairs. Informer pour que chaque jeune comprenne les dangers liés à la consommation inappropriée des médicaments et des drogues. Prévenir en établissant des mécanismes solides de sensibilisation au sein des établissements scolaires et universitaires. Et enfin, agir en offrant des solutions concrètes de prise en charge pour ceux qui en ont besoin. Selon le calendrier établi par l'Agence des médicaments et des autres produits de santé, c'est dans le Grand Libreville que cette caravane va débuter avant de s'étendre à l'intérieur du pays. Nous allons venir dans chacun des établissements universitaires et scolaires pour pouvoir rencontrer vous les élèves, mais également rencontrer les pères éducateurs. Nous allons nous arranger à pouvoir venir vous rencontrer de manière consensuelle avec vos responsables d'établissement. Nous allons associer l'ensemble des acteurs dans la prise en charge et dans l'éducation des patients à cette action. Pour la réussite d'un tel événement, le relais communautaire semble être une solution cruciale. Nous allons également former les pères éducateurs parce que c'est toute une technique de pouvoir reconnaître et de pouvoir identifier et détecter à temps les signes précurseurs de tout ce qui est consommation de drogue. Nous allons sensibiliser et mettre en place des partenariats avec les relais communautaires pour qu'ils puissent nous en faire le suivi. Et puis, selon le chronogramme de la campagne, chaque semaine, 6 établissements seront visités. Ce rythme permettra une couverture optimale des établissements de la capitale et de ses environs.